message de Dieu, le sang de l'agneau est plus fort que même nos familles. Merci Seigneur Jésus. Matondi Kolo Yesu. Merci Seigneur Jésus. Matondi Kolo Yesu. Au moni 2023 Nangolu. Tu as vu 2023 par la grâce. Ce matin, tu es arrivé par la grâce. Et c'est Yosa la Makas. Toi, tu as fourni. Tu as des efforts. Tu as des efforts à fournir. Est-ce que moi j'ai des forces? Si ce n'est pas la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de l'homme? Ah, c'est beau, hein? Oh, Ezamalamo. Si tu as cru, lui n'est pas encore cru. Dieu donne-lui la grâce. Alléluia. Amen. Si tu es devenu parfait, lui n'est pas encore devenu parfait. Donne-lui le temps de la grâce. Toi, tu es sauvé par la grâce. Tu es sauvé par la grâce. Toi, il a vu par la grâce. Donne-lui aussi l'occasion par la grâce. Il est vivant. Oh. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Le maître des temps, c'est qui? Jésus. Le Dieu de Béka, c'est qui? Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Beaucoup ont préféré voir cette journée. Et Bélé, Baluka qui était bas mon amokolo. Ah, on a commencé en 2023. Et que je puisse arriver en 2023. Toi, tu as eu la grâce. Oh, c'est pelaté. Tu ne peux pas te réjouir. Oh, binate. Tu ne peux pas danser. Oyembate. Pourquoi pas chanter? Dans la bina nangai. Laisse-moi danser. On a zungolu. Parce que j'ai eu la grâce. Na lomea te. Pas par l'argent. Na muto kite. Je n'ai pas fourni aucun effort. Ngolu eyelingai. La grâce est parvenue à moi. Na yambingolu. J'ai crié et j'ai reçu. Na bina te. Pourquoi pas danser? Na sepelate. Pourquoi pas me réjouir? Oh gloire à Jésus. Oh kembo na Yesu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus Christ. Na pesi binombote na kombo kitoko ya nkolo Yesu Christo. Bonne fête. Fête malamo. Bonne année. Mbula elamo. Que Dieu nous bénisse richement. Zambe apambola biso koleka. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Tuzingolu ya Nzambe. D'avoir un ministère puissant parmi nous. Toka kozwa lotongo moko na nguya kati na biso. Un vrai père. Tata penzo ya solo solo. Un vrai homme de Dieu. Eh mobali oyo to moto na nzambo ya solo. Il est pour chacun de nous un exemple. Ye azali pona biso ndakisa. Alors qui peut dire amen à cela? Nana koy koloba amen na likambo yo. Qui peut dire gloire à Dieu? Nana koy koloba kembo na nzambe. Le chemin du ciel. C'est là oyo ya lola. C'est un homme. Ezande moto. Alléluia. Amen. La vie éternelle. Bon moi yaseko. C'est un homme. Les amoto. Pour entrer, bon il faut passer par un homme. Sengalo le kanandela amoto. Ah, quelqu'un m'a saisi. Oh, na kanisi moto moko. Quelqu'un m'a saisi. Moto moko aso solinga. Quelqu'un m'a saisi. Moto moko aso solinga. Que Dieu vous bénisse richement. Bolo pambola mingi koleka. Que Dieu vous comble. Bolo ayi kanisa yo. En cette année. Na mula oyo. Marcher simplement avec la grâce de Dieu. Tambola kaka nangolu ya Nzambe. Si aujourd'hui Baruti est Baruti, c'est parce que il a suivi la grâce de l'homme de Galilée. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Père, ne fournis aucun effort. Ma soeur, aucun effort. Si Dieu dit va à gauche, va à gauche. Va à droite, va à droite. Même s'il y a du feu là-bas, de l'eau, allez-y. Oh, quelqu'un peut dire amen. Dieu savait que Israël passera ce chemin-là. Il aura la mer rouge. Mais Dieu leur a dit allez-y. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a changé ce Dieu-là? Il est le même ce matin. Gloire à l'agneau. Gloire au Saint des Saints.
Merci Jésus. M'attendez Jésus. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Jean. Na buku ya mokanda ya Yohane ya liboso. Chapitre 1er. Nzela ya yambo. Un Jean chapitre 1er. Mokanda ya Yohane ya liboso mokapo ya yambo. Du 3e au 7e verset. Nzela ya misa tokino na sambo. Quand on est encore debout là. On va dire un mot de prière à l'auteur de cette parole. Bien-aimé Père, nous te disons merci. Merci. Parce que aucun de nous a fourni un effort pour arriver ce matin. Mais ta grâce, cette même grâce qui nous a protégés durant l'année 2022, nous a réunis, oh Dieu bien-aimé, autour de ta parole, qui est la vie, qui est la lumière, qui est le chemin pour l'éternité. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous bénissons ton Saint-Nom. Pour cet homme que tu nous as envoyé, un bon berger, un bon père de famille, un bon serviteur de Dieu, qui nous a supportés dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos erreurs, afin qu'aujourd'hui nous puissions dire merci Seigneur. Bénis-les, Père bien-aimé. Sachez repousser ses enfants. Bénis son église. Où nous sommes membres des brebis. Les brebis de la bergerie. Et merci pour ce matin. De m'avoir accordé la grâce. De prêcher au Dieu dans cette chair qui n'est pas la mienne. C'est sa chair, Seigneur. C'est une question de confiance. Et je suis heureux, au Dieu, de me mettre devant ton peuple le premier jour de l'année 2023 pour parler de toi. Viens, entre en scène. Saisis nos cœurs pour un vrai changement. Car ta venue se rapproche au jour le jour. Comment se termine avec nous? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Bible et le Bible. 1 Pierre. Oh, 1 Jean, pardon, je voulais dire. Comprenez mon émotion. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il en ajoute ses bénédictions. Ce matin, nous allons partager un petit sujet sur la communion. La communion. Boyokani. L'avons vécu encore ce matin. La communion. Elambo. Alors la vraie communion. Zokade boyokani ya solo. Amen. Amen. Mais comment communier? Ndenge nini bokokota kati na boyokani? Frère Manab dit ceci. Ndeko ba malobi boye. Nous venons uniquement ici parce que nous aimons Jésus. Et nous savons que vous l'aimez aussi. Ah, il n'y a pas d'amen. Amen, exactement.
Qui aime Jésus ici? Nous venons ici uniquement parce que nous aimons Jésus. Et savons que vous l'aimez aussi. Et nous venons en cet endroit pour un temps de communion. Pour communier autour de sa parole. Et autour de sa bénédiction. Sans la parole de Dieu. Sans ses promesses. Qu'est-ce qui va nous attirer dans ce lieu? Parce qu'il se manifeste. Nous le voyons. Nous le vivons. Nous le palpons. Raison pour laquelle nous sommes attirés dans ce lieu. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire gloire à Dieu? Qui peut dire merci Seigneur? C'est parce qu'un jour, tu étais malade. Un jour, tu as eu des problèmes. Un jour, tu as eu des complications. Mais le Dieu du ciel. Alléluia. Amen, amen, parce que lui seul qui avait dit, venez à moi. Tout ce qui est fatigué. Et moi. Gloire à Jésus. Et moi. Je vous donnerai le repos. Personne au monde ne l'a dit. Personne. Même pas un pasteur. Même pas un prophète. Mais l'homme de Galilée. Il l'a dit. Toi, tu l'as écouté. Tu as fait tout pour venir vers lui. Et ce jour-là, tu as reçu la guérison. Ce jour-là, tu as trouvé solution à tes problèmes. Ce jour-là, tu as reçu le mariage. Ce jour-là, tu as eu du boulot. Ce jour-là, tu as reçu ce que tu voulais avoir. Comment ne pas les louer? Parce qu'il a voulu communier avec Dieu. Et la vraie communion, c'est autour de la parole. Frère, on peut être ensemble ici, dans une même église, mais on ne peut pas être en communion. Parce que la vraie communion, toi tu aimes la parole, moi j'aime la parole. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble quand si tant. Quand ils ne se conviennent pas, qui peut dire amen à cela? Faut que toi tu aimes la parole de Dieu. Moi j'aime la parole. Mon pasteur aime la parole. Le pasteur aime la parole. Quand on est ensemble, il y a la réjouissance. Alléluia. Amen, parce que ce n'est pas les hommes qui vont acter les choses, mais le Dieu du ciel. Alléluia. Amen, il va acter les choses. Il va dire, je suis là. Je suis là. Parce que la Bible dit, là deux ou trois sont réunis à son nom, je suis là. Acclamons le roi de roi. Le pasteur avait prêché ici sur la clé. Alléluia. Amen. La clé pour entrer au ciel. On peut avoir des connaissances, être très bon parmi les hommes, mais si tu n'as pas la clé, tu n'auras pas accès à ce royaume. Oh, la clé, c'est l'amour de Dieu. La clé, c'est Dieu lui-même. La clé, c'est sa parole. Alléluia. Amen, amen, si tu as la clé, moi j'ai la clé, lui il a la clé. Quand on se trouve ensemble, oh, il y aura du feu. Il y aura du feu. Parce qu'il n'y a pas l'homme qui va agir. C'est Dieu qui agira. Paul dit, si je vis, moi Paul. Ce n'est pas moi, mais c'est lui qui vit en moi, qui peut dire gloire à Dieu, qui peut dire merci Seigneur. Oh, la communion, c'est quoi? C'est un accord profond, une sympathie entre des personnes avec un intérêt commun. Oh, notre intérêt ici, c'est aller au ciel, à la lèvement. Oh, qui peut dire amen à cela? Si toi tu as cet intérêt là avec moi, quand on va se retrouver, rien ne nous empêchera. Alléluia. Amen, amen. Frère Manab dit, l'amour de Dieu, c'est une puissance plus que toute puissance.
Quand on a l'amour, on supporte le faible. On peut communier avec l'autre. L'église du Dieu vivant aura la puissance en ce temps de la fin de guérir les malades. Qui peut dire amen à cela? Le faire des prodiges, le faire des miracles. Le frère Banam dit, l'église du Dieu vivant en ce temps de la fin aura aussi, alléluia, aura aussi la puissance de transmettre la vie éternelle. Aïe, 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 la vie éternelle, c'est une personne. C'est comme un médecin. Il a la connaissance. L'autre est malade. Il peut prendre sa connaissance pour aider la personne. Si tu as la vie éternelle, tu as le Saint-Esprit, tu auras la capacité, avec l'amour de Dieu, de transmettre la vie éternelle. Alléluia. Amen, 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 amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans une même église, il ne cause pas avec tout. Moi, je ne l'aime pas. À l'axaranine, il se montre quoi? Pas de communion. S'il n'y a pas de communion, il n'y a pas de vie. La vie d'hypocrisie ne peut pas se retrouver parmi nous ici. Oh frère, la vie privée n'angaï. Oh, c'est ma vie. Il n'y a pas de vie privée parmi les croyants, bon, parmi les chrétiens. Si tu veux avoir une vie privée, la porte est ouverte. Alléluia. Amen, amen. La vraie communion, vraiment l'homme dit, est basée sur l'amour. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu nous a créés. Il y a beaucoup à lire, ce n'est pas important de tout lire. Mais croyez-le. Vraiment l'homme dit, nous avons été créés. Toi, ma soeur. Toi, ma soeur. Toi, mon frère. Toi, mon frère. Mon bien-aimé. Dieu nous a créés pour avoir la communion. Mais d'où vient la jalousie? Ça vient d'où? Tu vois un bien-aimé? Tu ne le salis même pas. Pour avoir quoi? Nous allons au ciel, mes bien-aimés. Frère Banab dit, dans l'église du Dieu vivant, vous trouverez un monsieur en smoking, bien vêtu, mais il vient devant un autre là, mal vêtu, il embrasse, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Oh, j'étais mon frère. L'humilité précède la gloire. Nous allons au ciel. C'est l'amour qui entrera. Frère Banam dit ceci. Ça, je vais lire. Oh, gloire à l'Éternel. Merci, Jésus. Au paragraphe 18. Comment communier? Prêcher à Chicago. Le dimanche 9-10-55. Je préférais avoir une église. Là, c'est Frère Banam. La bouche autorisée. L'envoyé de Dieu. Pour toi et pour moi. Écoutez, juste un instant. J'ai préféré avoir une église qui ne sait rien au sujet d'un quelconque don spirituel et qui est vraiment plein d'amour. Les uns pour les autres et pour Christ. Je préférerais savoir avoir cela plutôt que d'avoir chaque don spirituel opérant dans l'église. Mais maintenant, cela peut sembler trop fort dans le groupe de pentecôtistes. Mais moi, Branham, je préférerais plutôt cela. Là où il y a des dons, ils failliront. Là où il y a des dons, ils causeront de la confusion. Là où il y a des dons, ils peuvent être remis en question. Mais là où il y a l'amour,
Naoka no amen. Naoka amen. Naoka amen. 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 Là où il y a l'amour. Et si Kabo Linguezali. Parle-nous un peu. Là où il y a l'amour. Et si Kabo Linguezali. C'est parfait. Et bongi bé. C'est vrai. Et bongi malamu. Et si vous avez l'amour parfait. So, kose na bolingo e bongi vous aurez des dons parfaits. Ma kabo e bongi bé. Alléluia. Amen. C'est vrai. Ya solo. Alors. Zokande. Y a une recommandation. Ezali na itinda moko. Travaillez d'abord avec amour. Sala na ino mosala na bolingo. D'abord l'amour. Diboso bolingo. Le reste après. Makamuso tikalisima. Frère Banam. Ndeko Banam. On peut te donner tout, la connaissance, les dons. Makoko pesa onyoso, boyebi makabo makambo nyoso. Frère Banam dit. Ndeko Banam alobi hein. J'ai préféré ne pas avoir tout cela. Ngai kuti na kosepena zata na makambo nyoso anate. Mais que Dieu me donne l'amour Zambé parfait. Zambe apesa ngai bolingo e bongi be. Alléluia. Amen. C'est par l'amour de Dieu. Na bolingo ya Nzambe nde. Quels sont ces matins ici? Ndeto zwami ta tongo alelwa. Frère, Neko. Pourquoi tu as eu ton bien-aimé? Ma soeur, pourquoi tu as eu ta bien-aimée? La personne avec laquelle vous prenez la Sainte Seine ici. La même porte. Le même pasteur. Le même message. Le même messager. Vous partagez tout en commun. Mais pourquoi tu arrives à haïr ton frère et ta soeur? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela. Cette année. Comme c'est le commencement. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Commençons par l'amour. Par l'amour. Et nous aurons une véritable communion. Et Frère Banab dit, la toute première communion a commencé en Éden. Dieu lui-même, il quittait le trône chaque soir, car c'est vers le soir que la lumière paraîtra. Chaque soir, il descendait avec Adam, il causait avec Adam. Mais Dieu avait un souci. Adam est seul. Non, il faut que moi, Dieu, je trouve pour Adam une consolation. Et quand Dieu descendait, il voyait Adam avec Ève. La Bible dit, Adam avec l'autorité suprême sur la terre. C'est le péché. Qui nous sépare de la puissance de Dieu. Frère Banab dit, nous sommes un peuple créé pour avoir la puissance de Dieu. Et cette puissance ne peut venir que par la parole de Dieu. Qui peut dire amen à ça? Tu es une fille de Dieu. Tu as la puissance. Tout a été donné. Tu es un fils de Dieu. Tu as la puissance. Tout a été donné. Et cette puissance est dans la parole de Dieu. Comment d'abord par aimer celui qui est à côté de toi. On te posera la question. Mais pourquoi tu l'aimes? Il n'y a pas d'explication. Je l'aime. Hein, Papa Paul? Papa Paul. Papa Paul, il y a maman Pauline. Papa Paul aime maman Pauline, pourquoi? Oh, Papa Paul, pourquoi il y a maman Pauline? Toi, tu aimes maman Pauline comme ça, pourquoi? Ah, Jésus! Oh, Jésus! Une explication, papa! Une explication! Bon, on a rien parce que. Non, parce ça, c'est que pas la réalité. On ne peut pas l'expliquer. Je l'aime parce que je l'aime. J'aime mon frère parce que je l'aime. J'aime ma soeur parce que je l'aime. Parce qu'avec lui, avec elle, nous irons au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Alléluia! Frère bien-aimé, Jésus revient très bientôt. Et Frère Banam, beaucoup seront surpris. Oh Jésus. Oh Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. C'est bien de fêter 2023. Alléluia. Oh, alléluia. Fêtez plus pour la communion. Yo.
que moi j'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'aime la parole de Dieu, mais l'autre là qui est vraiment pauvre, je l'aime, je l'embrasse, je le visite, c'est ça le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Alors travaille d'abord avec amour. Car l'amour suscite la communion. Et la communion produit les dons. Là où il y a l'amour véritable, il y aura des dons parfaits. Kembo. Qu'est-ce qui fait que les gens aiment parfois différentes choses? Ils aiment la communion. C'est parce que d'abord, l'homme a été créé pour communier. Vous dormez, je ne sais pas. On a été créé pour communier. Oh Jésus. Oh Yesu. Que Dieu nous aide. Zambia sunga biso. Et j'aime les gens. Benga na linga kabato. Mais le seul moyen pour moi de leur rendre service. Kasi nzela bobele moko epai nanga pona okele kotalisa bango. C'est d'abord le message venant de Dieu. Et zalete ba yamba na ino sangwe zo ute epai na Nzambe. La communion. Boyokani. Nous met ensemble. Ezako sangisa biso. Jésus dit. Yesu alobi. Allez d'abord à Jérusalem. Bokena na Jérusalem. Restez là. Potika la kuna. Et la Bible dit, ils étaient tous ensemble. D'un commun, pas d'hypocrite. Judas était déjà écarté. Parce qu'il était hypocrite. Alléluia. Amen. Pierre aimait Jean. Jean aimait Barthélemy. Marie aimait Thème. Ils s'aimaient. Par cet amour-là, unis, ensemble, Dieu ne pouvait même pas dire non, bon, j'attends un peu. Le dixième jour, la puissance d'en haut. Cette puissance n'est autre que la vie de Dieu. Et Dieu a pris sa vie. Alléluia. Amen, amen. Il a partagé aux humains comme toi et moi. Pierre, ta part est là. Jean. Barthélemy, c'est en ce jour-là que les humains avaient reçu la vie de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Ils marchaient avec la vie de Dieu. Pourquoi? Grâce à la communion. Grâce à la communion. Grâce à l'amour parfait qui amène la grâce infinie. Essaye un peu de réveiller ton frère lentement. Le bon est aux eaux raté. L'enlèvement, ce n'est pas la connaissance. Oh, pas pasteur à Yébingaï. Oh, pasteur me connaît. On garde la pire à pasteur Paul. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. C'est une vie. Une vie de tous les temps. Amen, amen, amen. Amen. Quand on se sépare, c'est parce que la vie de la divinité a été enlevée de toi. Qu'est-ce qui te pousse que tu puisses haïr ton frère? Tu puisses haïr même ton pasteur. Après, j'y prends beaucoup de temps. Que Dieu nous aide. Zamba sunga biso. Que Dieu nous aide. Zamba sunga biso. Parce qu'il n'y a plus de temps. Pwete tango ezali sous terre. Le roi du nord. Bongo mokondi wa nord. Est prêt. Abelemi. Alléluia. Amen. Oh Église. Oh Ecclesia. Quand nous venons ici, c'est pour communier. Ezali pona boyokani. Mettons Jésus au centre. Tcha Yesu katikati na biso. Mangeons la chair de Jésus. Toi tu manges. Moi je mange. Lui il mange. Nous aurons la même vie.
Ici, il n'y a pas de grand parmi nous. Le grand, c'est Jésus. Alléluia. Amen, amen. Le grand, c'est Jésus. Mais, Jésus élève. Jésus élève. Il peut t'élever. Il peut rabaisser l'autre. Mais nous sommes dans le même temps. La communion. Dieu aime la communion. Quand nous sommes dans la communion, cette grâce va pleuvoir comme de l'eau, comme la pluie. Oh, que Dieu nous aide. Oh, Nzamba Sungabiso. Paragraphe 19, il dit ceci. J'ai prochainement quelques lignes. Si seulement il connaissait mon Jésus, il ne se retrouverait certainement pas là. Voyez, c'est l'unique chose qui peut le sauver de ce chaos où il se trouve. Il n'y a pas de médicaments ni rien. Avant de venir ici, passe chez Marie-Jeanne, passe au coin là-bas, tu prends un petit truc là, tu voles à Bazoka, tu trompes qui? Une vie d'hypocrisie. Que Dieu nous aide. Je me rappelle, dans les années 80, si un frère ne vient pas à l'église, à deux reprises, on va les chercher. On fait un groupe de gens. Prions. Frère, pourquoi tu ne viens pas? C'est ça l'amour de Dieu. Vivre pour l'autre. Une sœur est tombée. Combien ta claironté? Combien ta claironté? La chose à faire, va vers ta sœur. Avec beaucoup d'amour. Prie avec elle. Donne des conseils. Quand tu vas rentrer, tu mets tes genoux. Seigneur, c'est ma sœur. Seigneur, c'est mon frère. Oh Dieu, j'ai besoin de lui, Seigneur. Jésus, cet amour-là attirera les ciels. Le ciel descendra pour amener les frères ou la sœur vers le ciel. C'est ça le secret de la victoire. Moi, j'ai reçu de passer ma route des choses. Il sait comment supporter. Tu peux l'injurier. Tu l'injuries chaque jour. Ou raconter que Dieu bénisse, frère. Ça va, frère. Si tu es malade, il va prier pour toi. Si tu as des problèmes, va te secourir. Un homme bizarre. Un jour, ici au bureau, avec les bien-aimés de Jesseben, on reçoit un jeune homme, on cause avec lui. Oh, je viens, on va aller passer Barouti. C'est moi, il est gérien. Attention aux réseaux sociaux. Peuple de Dieu, ça commence à devenir une distraction. Ce jeune-là, il a injuré le passé pendant au moins 10 ans. Il a dit, frère, mais toi, tu as quel âge? Mon bangue, un vieil homme comme lui, comme ça, tu lui injuries chaque jour. On appelle le pasteur ici. Papa, les mises en œuvre. Oh, mon père, non, la chine de Dieu. Oh, le bagage, le bambo, à la chine de Dieu. Je vais rentrer. Le jour où le passé était de retour, quand le passé était rentré, à la chine de Dieu, qui l'avait vu? Qui l'a vu? La chair. Ici, ici, la chair. Il faut savoir pardonner. Le manque d'amour t'amènera à voir toujours les erreurs des autres. Hey, on dit cher, on a. Hey, tu vois cette scène-là. On dit frère, on a. C'est frère, hey, là. Bien que on a. Mon va passer, mon éclairé. Qui t'a amené ici pour être contrôleur?
manque de communion. Si tu avais la communion, la Bible dit, va vers. C'est ça, non? C'est simple. Il va causer avec la. Même s'il est un pasteur associé, tu causes avec lui. Et vous allez vous arranger. Et qu'elle a pété. La gloire reviendra à Jésus. Qui peut dire amen à cela? Maboko pour Nabino. On peut acclamer, on acclame pour le Seigneur. Si tu vois un soula, ce qu'on m'a dit, mon sang. Mais on a païen. Quitte là, païen. C'est pas mon boy. Attention. Keba. Attention. Keba. Ne jugez pas les gens par leur comportement. Nous avons un exemple. Un témoignage. Frère Bonhomme dit, montre à la personne qui est Jésus. C'est Jésus qui est le vrai produit pour qu'il abandonne l'alcool. Kindumba, il laisse la dîme. Au cas qui boit la moitié. Avec les jupes courtes. C'est Jésus seul. Il n'y a pas une pharmacie où on voit des produits pour qui d'Amassou. C'est Jésus seul. Autant mieux être aveugle physiquement que d'être aveugle spirituellement. C'est plus pire. Qui peut dire amen à cela? Décide-toi, mon frère, ma soeur. Décide-toi. Zamokano. A aimer ton frère. Et toi, a aimer ta soeur. Sans raisonnement. Kozanga ko banza banza. Frère, je t'aime. Hein? Ndeko na lingio, l'appétit vient en manger. Oh, gloire à l'Éternel. Oh, kembo na Yahweh. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Eza malamu te. Devons aider les alcooliques. Tosunga balangu masanga. Même si un frère se conduit très mal. Tu as la capacité. Ozali na makoki. Par la puissance du Saint-Esprit. De ramener la personne. Ya ya femme. Ndeko mwasi. Donne-moi à boire. Pesanga imwa ya komela. J'ai soif. Nazana posa. Mais toi, tu es juif. Yoza mo yuda. Moi, samaritain. Ngai nazamo samaria. Voyez l'esprit de division. Omoni molimo kokabona. Si tu savais. Soki oye baka. Celui qui demande à boire. Mo tata kosenga imwa ya komela. C'est toi qui devais lui demander à boire. Yondo sengela kosenga imwa ya komela. Oza même le retour à maï. Toi, tu n'as pas même un instrument pour tout le monde. Comment tu vas puiser ces eaux? C'est prière profond. La femme ne savait pas qu'il était en face de la vie et la pluie éternelle. Alléluia! Amen, amen, amen. Jésus dit bon. Yes, be, comme c'est ma fille. Le si passé ici pas par hasard. Bon, appelle-moi ton mari. Bon, bengelanga mobali na ya. Si tu as l'amour dans ton cœur, Jésus te rencontrera. Jésus t'amènera à de bonnes choses. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire gloire à Dieu? Dans la vie des humains, il y a les hauts et les bas. Ça ne manquera jamais. Écoutez le prophète qui dit. Oh, gloire à l'Éternel. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il dit ceci, Alobiboye, que Dieu soit béni. Nzambe apambolama. Il aura les hauts et les bas. Il aura des problèmes. Mais toi, yo, faut toujours avoir la communion. Yo, est-ce qu'on peut acclamer le roi yo, de roi? Kondi maboko. J'avais lu ça ici. C'est là qu'on en est ce soir. Paragraphe 33. La même prédication. C'est Dieu qui doit donner ça. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Alors l'amour produit une communion. Le jour où le péché avait causé la séparation de. Avec cet amour divin, il y a eu le chaos, il y a eu le malheur, nous en souffrons même jusqu'aujourd'hui.
Parce qu'il y a une séparation. Et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. C'est la preuve que tu as perdu l'amour de Dieu. Vous mettez à l'engueuler pour ça. C'est vrai. Vous ne pouvez plus fermer les yeux pour les fautes de votre soeur. Parce que vous êtes éloigné de cette partie. De cette partie divine. L'amour, c'est une partie de Dieu. En avoir, c'est avoir Dieu. Ne pas avoir ça, c'est manquer les siens. Cette partie amour. Mais si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus, et qu'une sœur ou un frère vous fasse quelque chose, pour celui qui a l'amour de Dieu, qui a une partie divine, il dira, Il n'avait pas l'intention. Si c'est moi, ça va barder. Il ne voulait pas faire ça. Tu deviens l'avocat de celui qui t'a ingénié. C'est ça la chrétienté. C'est ça la vie chrétienne. Un jour, un bien-aimé dit à son frère, bien-aimé, quand je te vois, tu as un cœur pour supporter. Vraiment, j'aime être comme toi. On peut te causer du tort. Mais toi, tu es toujours là. C'est comme si tu ne vois rien. Tu ne dis rien. Voilà un homme qui a une portion divine dans son cœur. Tu peux être dans le chaos, dans les problèmes, dans même la pause. Tu manques même l'argent. Mais il faut toujours communier. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire gloire à Dieu? Oh mon Dieu. Oh, et Jésus, c'est le genre d'amour qu'il avait. Il pouvait dire, dans la souffrance, avec le sang qui coulait, lui qui était le roi des rois, on lui a fait porter la couronne de pieds. Il n'a pas regardé à cela. Il avait un objectif, te sauver, te sauver, te sauver, te sauver, jusqu'à dire, à la croix, le ciel et la terre était Père, Tata, pardonne-le. Limbisa bango. Car ils savent pas ce que c'est. Ba yebi eloko ni bazai ko sala te. Qui peut dire amen à cela? Nana koy koloba amen na yango. Qui peut dire gloire à Dieu? Nana koy koloba kembo na nzambe. Qui peut dire merci Seigneur? Nana koy koloba matondi ngolo. Tata, pardonne-le. Limbisa bango. Ils savent pas ce qu'ils font. Ba yebi te eloko ni bazai ko sala. Maintenant, écoutez, je vais clôturer ici. Paragraphe 34. Que serait-il arrivé s'il avait retenu mes péchés à ma charge? La grâce n'est grâce que si vous la recevez comme un. Frère Banam dit, le pasteur avait dit qu'il n'y a pas longtemps ici. Mais quand moi je vous vois, je vois Dieu, je vois Jésus. Frère Banam dit, un jour, il y avait un seul Jésus qui marchait à Galilée, à Nazareth, à Jérusalem. Mais un jour, il y a eu 120 Jésus qui peut dire amen à cela. Qui peut dire gloire à Dieu? Un jour, il y a eu 3000 Jésus, plus 120, 3120 Jésus. Mais aujourd'hui, il y a des Jésus, des Jésus, des Jésus, des Jésus, des Jésus, des Jésus. Si toi tu haïs un Jésus, qui haït ta prédestination, qui haït toi-même. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire gloire à Dieu? Ah Jésus, oh, ça fait Jésus. Du bien. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Quelle horrible personne j'étais.
Quelle horrible personne j'étais. Mais il m'a tellement aimé qu'il me les a pardonnés. Quand j'étais imparfait, il m'a pardonné. Il m'a aimé d'un amour pur. Et quand Adam s'est séparé de ce que c'est pur amour qui consistait à garder la parole de Dieu. Quand il a fait ça, ses autres facultés se sont installées. La malice. L'envie, Golula, la dispute, Bongo Kowela, la haine, Koina, et tout le reste. On tu joues avec moi. Pour la Sambela. Parce que je prie. Aujourd'hui, tu vas voir. Frère, mais Sambela. Toi, tu pries, non? Ma soeur. Tikali Puta Kimia. Laisse la pente. Tu vas me connaître aujourd'hui. Toi, tu pries, non? On te connaît bien. Salam Osambeli. Salam au Christ. Salam chrétien. Salam au Christ. Un chrétien doit avoir les capacités divines. La patience. L'amour. La paix. La joie. Supporter les faiblesses de l'autre. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire gloire à Dieu? Qui peut dire merci Seigneur? Eh bien, quand Dieu a vu que ses enfants s'étaient séparés, il est descendu pour la communion. Vivant, il m'aima, mourra, il me sauva, enseveli, il apporta mes péchés au loin, ressuscita, il me justifia. À jamais pour être libre, un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux! Si lui le Saint ne s'est pas aimé, il t'a pardonné. Pourquoi ne pas pardonner l'autre? Pourquoi ne pas aimer l'autre qui est faible? La vraie victoire, c'est quand on supporte le faible. Quand on aime la personne qu'on ne peut pas aimer, qui peut dire amen à ça? C'est pour cela. Quand il était vivant, il t'a aimé. Mourant, il a pris tes péchés. Il a amené dans la profondeur de profondeur. Et ressuscitant, tu avais la vie. Quel effort tu as fourni pour croire ce message? Celui ou celle qui n'a pas cru, faut pas les rejeter. Qui peut dire amen à ça? Qui peut dire gloire à Dieu? Qui peut dire merci Seigneur? Si Dieu a aimé la communion, il a quitté le trône. Des milliers, des milliers de kilomètres. Jusqu'ici bas. Pour te rejoindre. Frère, bien-aimé. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'il vous bénisse richement. Que chacun dise un mot de la prière. En rapport avec ce que nous venons d'écouter, nous commençons une année nouvelle. Est-ce qu'il faut continuer avec la vie qu'on avait à 2022? Cette vie de manque de communion. Cette vie de manque d'amour. Cette vie, il y a beaucoup d'inimitié parmi les hommes. Alors que le Seigneur, la venue du Seigneur est proche. Nzokande, bozongi na kolo ebelemi. Que chacun s'élève et parle à Dieu. Moko na moko atelema asolola na nzambe. Parle à ton Dieu. Solola na nzambo ya yo. Ne regarde pas ton voisin. Kotala moto afandi pembeni na yo te.
Dieu t'a parlé à toi-même. Nzambe alobelinde yokak. Le salut est individuel. Lobiko ezaya yo. Nous sommes venus vraiment veiller. Toye awa na butu ya mabondeli. Prier. Ko bondela. S'abandonner entre les mains de Dieu. Komitika na maboko ya Nzambe. Pour que l'année qui commence. Bombula oyo to bandi. Nous puissions vraiment marcher avec Dieu. Totambola penza na Nzambe. Nous sommes un peuple mis à part. Tozali bota oyo tia mapembeni. Nous devons être différents, frères et sœurs. Et singeli lolenge na biso ekesa na bandeko. Fais un examen de conscience. Yo mitala malamu. Fais l'autocritique. Otala bomo ina yo malamu. Fais l'inventaire interne. Omi pima na kati na yo. J'ai été à communion avec Dieu. Oyo otambola kina bomoko na Nzambe. Durant l'année 2022. Nambula mobimba oyo choleka. Parce que j'ai été à communion avec mes amis frères. Ngai na yo kana ki malamu na bandeko na ngaba sini bali. Durant l'année 2022. Faut-il continuer avec cette année? Le Dieu du ciel Nzambo ya Lola t'a connu avant la fondation du monde. Et c'est pour toi qu'il avait quitté le ciel. Et il a versé le sang. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Eh, Nzambo ya kusunga biso. Que cette veillée soit vraiment une veillée qui va ouvrir votre marche. Pour qu'un nouveau départ commence en 2023. Parce qu'on a une année nouvelle. Mais cette année nous approche plus à la venue du Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, levons-nous parler à Dieu. Parlons à Dieu. Est-ce que je suis à communion avec mon Dieu? Je suis à communion avec mes bien-aimés. Je suis à communion avec la parole de Dieu. Tu peux mentir les gens, mais tu sais réellement comment Dieu est en train de marcher. Donc, que Dieu peut nous venir en aide. Ne mourons pas là où il y a la vie. Jésus a versé le sang pour toi. Il a versé le sang pour moi. Il est prêt à nous recevoir. Ouvrons simplement la voie. Ne lui cachez rien. N'entrez pas avec des zones d'ombre dans 2023. Avec des agendas cachés dans 2023.